Ils sont arrivés hier soir. Et je crois que... Ouais, c'est Oh, nous. oh! On est là. On est Ah, là. Salut. Waouh. Là. Oh, comme ils sont tous là. Le monde qui est venu fêter les carambalés, dis donc. C'est bien. Ils sont chauds dans leur coucoune là. Ouais. Oh, mais il y a les gens de la tour en bas là. Salut. Les hommes et les femmes de la tour qui sont en bas de la tour. Ouais. Ça va? Vous allez bien en bas? C'est bon. Ça va? Vous nous entendez? Oui. Ouais. On vous entend et bon, vous êtes avec nous, on pense à vous. Ouais. Nous aussi, on parle avec notre cœur, comme monsieur le préfet. Oh, le beau monde. Oh. Et toutes les huiles essentielles. Ils sont beaux. Ils sont beaux. Les présidents et les présidentes. Et les directeurs. Des redirecteurs. Et les principes actifs là-haut. Ici, les principes actifs aussi. Des directeurs là-bas. Wow. C'est équilibré. Ouais, c'est équilibré. Et Laurent. Ouais. Oh. Alors, ah oui, il faut qu'on se présente. Quand même. Alors, vous avez remarqué, on est décalé, nous aussi. On a des attributs de décalation. On a des nez pas comme les autres. Des chapeaux pas comme les autres. On est habillé avec des couleurs voyantes. Voilà. On n'est pas normal, quoi. Voilà, c'est Lily. Voilà, et c'est moi. En chantier, comme vous, hein, dans l'autonomie. Hein. Et puis voici Doc. Voilà. Voilà. Un chantier, moi. Alors, comme vous, on a tout entendu, hein. Et comme vous, on n'a pas tout bien compris. Non. Voilà, mais bon, pas grave, hein. On va résumer. Ouais. Et puis donc, Laurent nous a expliqué... Laurent. Attends, je vais voir Laurent. Laurent est décalé aussi, vous savez pourquoi? Parce qu'il s'appelle Laurent Barbe et il n'a pas de barbe. Voilà un premier décalage, Laurent. Alors, j'ai un petit cadeau. Je t'ai amené, pour qu'on le visionne bien, le fameux concept d'autonomie. Voilà, dans toute sa complexité, vous le voyez, on peut le tirer d'un côté comme de l'autre. Voilà, ça restera central, je crois, pour la matinée. Et je vais voir ma collègue... Donc moi... Qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien écoute, moi je suis avec, avec mon handicap. Tu es en train de rentrer en situation de handicap, de handicap, hein? Oui. Alors attends, je vais t'amener un élément important. Hein. Voilà. On va essayer de jouer la situation globale. Hein. Voilà, donc tu es en fauteuil aussi. Ah ouais, d'accord. On remarquerait que c'est un fauteuil non roulant, c'est déjà un problème. Et comme il n'y a pas d'accès au fauteuil non roulant, on est déjà dans une situation... Je suis doublement handicapée, quoi. Voilà, c'est une autonomie, vous voyez, de toute façon, elle n'est pas autonome, hein. Mon objectif, moi, dans la vie, c'est d'aller prendre la parole. Voilà. Mais là-bas, surtout là-bas. Voilà, mais en fait, le problème, c'est que tu n'es pas assez autonome. Là, je fais un petit classement. Hein. Alors, je fais un classement. Qu'est-ce que tu es capable de faire? Pour l'instant, d'avancer, tu vois? Bon, voilà. Voilà. Mais si tu veux, je ne peux pas avancer parce qu'il n'y a pas de roulette. Voilà. C'est tout. Oui, c'est vrai, c'est une question de contexte. Hein. Oui, exactement. Parce que, sinon, même, tu aurais pu même... Y aurait un ascenseur, tu aurais eu aucun problème. L'ascenseur social, tu crois? Oui. Non. Alors, ça viendra dans la deuxième partie, peut-être. Oui, ça va, d'accord, ok. Alors, je vais essayer. Bon, je vais essayer de me... Je vais t'accompagner, hein. Je vais ouais. t'accompagner. Alors, je vais te... Alors, attends, Attends. Ça, c'est le... On va vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Vas-y. Là, je la prends un peu comme un sac. Bon, le problème... Et... Attends, le problème en tant que professionnel, si
je la prends comme un sac, je vais me faire mal au dos. Hein. Ça, donc, ça va me pénaliser ma propre autonomie à moi-même. Si tu veux, là, je suis en état de souffrance. Ah, voilà. C'est bien que tu aies pu l'exprimer déjà. Oui. Hein. Déjà, il faudrait que tu me regardes. Ah, mais c'est vrai. Déjà pour me considérer, moi, parce que j'ai des yeux, si tu veux, voilà, hein. Mais tiens, mais c'est terrible, si je te regarde, on va faire un petit regard croisé. On sait pas trop ce que c'est, un regard croisé, pas facile, hein. Mais où? Le problème, c'est d'arriver à se voir dans la nuit. Faudra travailler le concept, Serge, hein, parce que c'est pas évident, quoi. Hein. Comme ça, ça y est. Voilà. Non, non, c'est pas le regard croisé à toi-même. Écoute, dans l'état où tu es, je me demande si tu n'auras pas besoin d'une mesure maximum de protection. Oh non! Si, si. Alors, c'est un mandat, je t'explique rien, je te le mets sur la tête. Bon, en fait, c'est pas une bonne idée parce que il y en a qui sont morts de ça. Hein. Donc, ah, ça y est. Alors là, vous voyez, elle a disparu derrière son handicap. Ah oui. C'est-à-dire, ce n'est plus une personne. Oui. Moi, en tant que professionnelle, je ne vois que son handicap. Et en tant que personne, elle a disparu. Donc là, on a un gros problème. T'es bien emmerdée maintenant. Laurent. Moi. Donne-moi ta science. Faut demander au public de... Faut demander au public. Non, écoute. Alors, attends, on va... Stop! Là, tu me laisses faire, maintenant. Ouais, c'est bien, vire-la à la mesure de protection. File-la à la famille. Vous la reprenez, là, la mesure de protection, vous la reprenez, hein. Oh, mais c'est, non. Pas, là, c'est pas le moment de lui filer, hein. Ne vous inquiétez pas. On a tous... Mais tu vas la fermer un peu. D'accord. Mais patati et patata, je peux pas en placer une de pétota. Je voudrais monter là-dessus. Alors je vais me démerder, je vais prendre des risques. Non, j'ai peur. Eh bien c'est... D'accord. On n'est pas assuré. Eh bien flic, je m'en fous. Est-ce qu'il y a... J'en ai rien à foutre. Vous m'aidez alors, hein. C'est sur le zi comment. En tant que professionnel. Voilà. Déjà, je peux m'asseoir. Regarde. Voilà.
déjà, je t'aide à descendre. Oui. Mais c'est à toi de m'aider maintenant. Porte ton handicap parce que t'es devenu un peu plus autonome. Ouais. Non, non, porte-moi avec tes deux bras, tu vois, t'es carrément autonome. Il faut que tu m'aides là. Oui. Parce que là, j'ai un gros, gros, gros souci. Oui. Un gros travail. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je dois remonter ma